Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau BFA. On se retrouve pour l'annonce du jour de ce mercredi 10 septembre 2014. Encore un nouveau sneak peek est tombé de la part de Supercell. On a vu hier la nouveauté concernant les casernes noires qui passent au niveau 6, donc qui introduisait probablement une nouvelle troupe, l'apparition d'une nouvelle troupe noire, et c'est le cas puisque nous avons une photo qui est tombée, comme vous pouvez le voir en fond de cette vidéo, une bête étrange avec marqué dessus « I smell fireworks », ça sent le feu d'artifice. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Moi je trouve que ma première réaction comme ça à chaud, on dirait un golem avec des yeux lumineux de feu. Est-ce que ce serait une troupe terrestre qui envoie du feu? Est-ce que au contraire, est-ce que ça serait aérien aussi? Mais bon, alors je sais pas, il y a le feu, l'aérien, on a déjà les dragons qui envoient du feu, je sais pas. En tout cas, il laisse encore notre imagination débordante spéculer sur un tas de possibilités. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'il y a bien effectivement donc l'apparition d'une nouvelle troupe, donc ça va remettre beaucoup d'engouement dans le jeu, dans les gameplays, et donc on a très hâte de pouvoir utiliser cette nouvelle troupe. La question se pose encore une nouvelle fois, beaucoup pensent que cette troupe sera disponible pour les HDV10, bon, je ne sais pas, ce serait un peu dommage qu'ils ne permettent pas la possibilité à des HDV inférieurs de pouvoir EP leur caserne noire pour bénéficier de cette troupe qui a l'air, je sais pas, en tout cas les nouvelles, je sais pas si elle est sympa ou pas, mais en tout cas les nouvelles, on a envie d'avoir des nouveautés, donc ça serait bien d'en faire profiter un maximum de personnes. Et sinon, donc autre petite nouveauté dans le sneak peek, il y a toujours des petites choses en annexe. Parmi les choses annexes, maintenant les troupes peuvent être vidées du château de clan ou des camps militaires. Donc, a priori, de ce que je comprends, hein, si je dis pas de bêtises, si on a des troupes qu'on voulait pas dans nos camps ou dans notre château de clan, on pourrait les vider. Voili, voilou. Voilà, là, ils y vont vraiment en mode gros suspense sur cette troupe, hein, puisqu'on a eu la casernière qui évolue, la troupe, on a une image, mais rien de plus. Donc, écoutez, il faut qu'on attende certainement demain. On se retrouvera demain, j'espère, très vite, pour en savoir plus sur cette nouvelle troupe. En attendant, je vous invite à rester connecté sur ma chaîne et puis à regarder le JT épisode 4 qui sortira très certainement, probablement, c'est quasiment certain, juste après cette vidéo. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.